4. Hey, salut tout le monde, c'est Crash et fait par des FR. On est reparti pour le 26e épisode de Need for Speed Hot Pursuit. Et puis dans l'autre épisode, c'était pas le 26e épisode, mais le 25e épisode. Je m'étais trompé, hein. J'étais un peu paumé. Mais il y a des choses à savoir que j'étais un peu concentré sur le jeu et des. Du coup, la mémoire s'efface. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien arriver à s'en souvenir parce que voilà. Et par contre, sincèrement, les gens, je tiens clairement à vous remercier de m'avoir soutenu à cette période, à cette aventure sur ma chaîne. Ça prouve à quel point j'étais fort en jeu. Maintenant, vous êtes libre de vous désabonner de ma chaîne. Si ma chaîne ne vous plaît pas, vous êtes libre. Et je tiens à m'excuser pour mes propos qui sont parfois un petit peu hard. S'excuser, c'est une bonne action. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bref, ne remettons pas trop dans des histoires comme ça, puisque... ça sert à rien de remettre dans des histoires qui m'intéressent vraiment pas. Je fais ce qui me plaît, faire mes propres vidéos et puis voilà. Et puis bon, je m'arrête jamais. C'est bon. Par contre, 1 km arrivé et les autres sont derrière, donc
Donc, et je gagne. C'est déjà pas mal. Mais certains qui vont dire ah t'es nul machin. Non, faut pas dire ça parce que c'est pas un terme approprié. On dit pas nul mais on dit je n'aime pas. Donc c'est pour ça. Je vous donne un conseil. Car sinon, le robot bodyguard peut honnêtement supprimer vos commentaires haineux. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, voilà. Ah, j'ai conduit la d'une prototype. Alors, il est 5h du mat, donc le soleil se lève. En fait, tous les jeux de Criterion Games, je m'intéresse vachement à faire des vidéos sur Burnout et aussi sur Need for Speed parce que ça change un peu que du style un peu. Ça change un peu que du style de jeux de voiture que je m'habitue. Que j'ai l'habitude de jouer à Milton Madness. D'ailleurs, je ne fais plus désormais, donc je m'habitue en fait. Il va falloir que je m'habitue en fait à créer ma propre course et à les poster via les sites internet. Les sites de téléchargement que vous pouvez également. Que vous pouvez également les tester. Pas une figure. Bien sûr, j'ai mes propres règles à moi. Donc, vous avez l'intérêt à respecter parce que sinon, je vais pas lire. Je suis strict, hein, je sais, mais. Je perds mon temps. À mon avis, je vais perdre beaucoup de temps. Je vais la refaire. Je me suis pris par accident. Et donc, je vous fais une coupure. Et je passe au filière 3. Ça va être strict comme règle.
Et maintenant, place aux poursuites infernales. Alors, il sera 19h et le météo sera orage. 5 R, 5 brouilleurs, 3 turbos, 5 IR. Allez, ça commence. Un système de brouillage. Immobilisation. Oh, ça sert à rien. Puisque je le défonce. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est la guerre. Vous n'assumez pas vos propos. Ah, merde.
comme ça. Eh ben non. Vitesse maxi. Allez, pour finir. C'est R, c'est la fin. Un duel. Donc un duel. Et je prends la Big Daddy. Oh, heure, il est 10h et météo sera neigeux. Neigeux et pluvieux. Attrape derrière. À gauche. À gauche maintenant.
c'est beau la neige, mais ça glisse beaucoup. Super, 1 km d'arrivée et c'est ainsi que tout va s'achever dans l'épisode 26 de Need for Speed Hot Pursuit. Et puis bah écoutez les potos. Je pense que ce serait bientôt la fin de Need for Speed Hot Pursuit. Donc celui-là, on a tous fait. Il reste la poursuite infernale. Je pense qu'on en serait entièrement reconnaissant de la fin de cet épisode. Ce sera donc l'épisode 27 de Need for Speed Hot Pursuit. Alors écoutez, on se retrouvera donc dans la dernière épisode de Need for Speed Hot Pursuit. Car je sens que c'est la fin. Oui, je peux vous dire, c'est bientôt la fin de Need for Speed. Et puis, je vous dis donc, à bientôt pour le prochain épisode. Ce sera donc la dernière épisode. Ciao!